Pour retenir qu'avant toute chose, nous avons mis autour de la table nos préalables qui, depuis le 4 mai, avaient été discutés, mais qui n'ont pas été satisfaits. Et à cela, deux autres points s'y sont ajoutés, c'est-à-dire la poursuite judiciaire des Loubas qui ont vandalisé le 8 août 2018 les locaux du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, ainsi que le reclassement des agnés au deuxième certificat et les prises en charge. Donc tous ces points ont été débattus et la partie gouvernementale a demandé un temps moratoire d'une semaine afin de pouvoir statuer et de questionner des techniciens en la matière. Et le côté syndicat a accepté, mais avec condition. Avec condition de reprendre le dialogue dans la mesure où le mardi prochain, nous venons autour de la table avec des actes concrets de la part du gouvernement. Et surtout, le secrétaire général, le camarade Aboubakar Souman, s'est beaucoup appesanti sur le département en charge de l'enseignement supérieur qui continue, malgré les appels que nous avons lancés, de ne pas s'impliquer dans les affaires syndicales en République de Guinée. Le ministère en charge de l'enseignement supérieur continue non seulement à muter arbitrairement les enseignants qui ont opté ici pour le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, mais aussi le retrait des bus des enseignants du côté de l'université de l'Abbé. Donc nous avons demandé à ce que tous nos camarades mutés au sein des universités de Kindia, Gamal et l'Abbé soient ici rétablis dans leurs voies, ou à défaut il ne serait pas question d'ouvrir un couloir de négociation. Voilà, M. Bangoura, M. Kamara, n'est-ce pas, tentait de rappeler les préalables que vous avez essayé déposés. Est-ce que, voilà, vous pouvez revenir sur ces préalables? Bien, il y a 7 préalables sur la liste. Le premier, c'est l'arrêt de l'ingérence des autorités administratives dans les affaires syndicales. Le deuxième point comme préalable, c'est celui du virement du salaire des enseignants nouvellement engagés en 2017 et 2018. Trois, l'engagement à la fonction publique des 10 enseignants homologués de l'université de l'Abbé, de Kindia du moins, qui depuis plusieurs années sont en situation de classe. Et quand il était question à l'issue du protocole d'accord de 2017, ces enseignants se sont vus remplacés par les parents de certains cas du département. Et je pourrais même citer le secrétaire général, certains cas très influents du ministère de l'enseignement supérieur, mais aussi des étudiants encore en situation de classe qui se sont vus enrôlés dans les fichiers de la fonction publique en lieu et place de ces enseignants qui, pendant plusieurs années, ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin d'instruire nos étudiants à l'université de Kindia. Et ensuite, comme quatrième point, comme je le disais, c'est le rétablissement des enseignants mutés pour faire des grèves du côté de Kindia, de l'Abbé, de l'université de Gamal, mais aussi la poursuite judiciaire de ces Loubas qui, de façon très maladroite, ont saccagé les locaux du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée le mercredi 8 août 2018. Appelez-nous votre nom. Et aussi, comme le dit les tests juridiques en matière de négociation, vous n'êtes pas sans savoir que ces négociations sont primées. Donc nous avons aussi demandé le paiement des primes de négociation qui ont abouti à la signature du protocole d'accord du mardi 13 mars 2018 dans la salle des arts du palais du peuple. Bien, je ne sais pas, je ne saurais vous le dire dans la mesure où je n'ai aucune idée, mais ce que nous demandons, c'est de respecter tous les thèses en la matière. Monsieur Bangoura, quel est le regard du gouvernement, n'est-ce pas, face au préalable que vous avez mis en place? Le mardi prochain, nous serons édifiés. Alors, monsieur Bangoura,